plus beaux des mots d'amour que je connais et que jamais je n'oublierai. Des mots qui t'emmèneront comme un bateau jusqu'à la terre qui les a inventés. Mon grand-père était un homme
d'une beauté extraordinaire. Il était grand, il sentait la rose. Il était un être de conte de fées. On dormait ensemble quand ma mère était allée une fois en Égypte et on dormait ensemble, on mettait le coussin entre nous et il y avait toujours son pistolet à côté. J'ai vécu avec ça. Il disait, Mélina, n'aie pas peur, il y a ici le pistolet. Ça paraît terrible aujourd'hui. Mais il était l'homme le plus juste. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas me rappeler d'un homme politique qui aimait tellement les gens, que la porte était toujours ouverte. Et chaque dimanche, il m'emmenait faire une promenade, me connaître aux gens, comme ça. Et nous faisons une promenade, moi très fière, dans la calèche. Et mon grand-père aussi, il me faisait saluer, il me disait, il faut être gentil. Et je saluais, et on m'applaudissait parce que j'étais très gentille, très ça, peut-être. Et on s'arrêtait aussi, et on parlait aux gens. C'était si tendre, c'était si beau. Ça m'a serré la mienne quand on se promenait dans la grande rue d'Athènes. Les gens nous saluaient et grand-père disait, Mélina, Mélina, parmi les hommes d'Athènes qui fument le narguilé et boivent le vin résiné. Mélina, Mélina, ah, si tu étais un homme, j'aurais pu faire de toi. Mélina, Mélina, petite, écoute, prends ton temps, ne grandis pas trop vite, tu peux me suivre tant que tu restes enfant. Grand-père, mon grand-père, je ne suis sûrement pas la plus aimée des rois. Grand-père, mon grand-père, je suis une femme qui se bat, mais tu m'aimerais pour ça. Oui, tu m'aimerais pour ça. Il m'emmenait au théâtre, hein, il m'emmenait au théâtre musical. J'adorais le théâtre. Et finalement, c'est ça qui m'a emmenée à ma première chose que je fais comme travail. J'allais dans la rue, comme mon homme ne me donnait pas beaucoup d'argent, j'allais dans la rue et je mendiais. J'étais bien habillée comme une petite fille qui n'est pas pauvre. Et je voyais une dame et je lui disais, s'il vous plaît, j'ai perdu mon petit portefeuille. Je vous en prie, j'habite le Falaise. Et si vous pouvez me donner un peu d'argent, comme on me voyait gentille et pas du tout comme ça, ils ont commencé à me donner de l'argent. Je mendiais toujours pour une cause. Et la cause était le billet du théâtre. Je
convoi aux chevaux en liberté. Il les a posés sur moi et m'a dit, ma liberté. Il a poussé son fusil à manger dans mes doigts. Dans son dos, ses cheveux lui faisaient un manteau de roi. Chanterai la chanson la plus rouge aux grenadiers, qui donnera le premier une grenade au garçon, qui a quitté la maison du père sans l'embrasser. On dit qu'il est en prison et qu'on va le fusiller. J'ai vu les deux policiers l'emmener hier matin. Il m'a fait avec la main le signe des fiancés. Il marchait sur le chemin entre les deux officiers. Chanterai la chanson la plus rouge à ce roseiller, qui fleurira le premier la tombe nue du garçon, qui n'a laissé que son nom, l'amour de la liberté. Elle sent une chanson à cet enfant qu'il m'a fait. Je croyais que c'était très facile la vie, parce qu'en étant la petite fille de quelqu'un qui était le bien-aimé, et moi la favorite parce qu'il m'adorait, c'était que je pourrais avoir la lune si je voulais. Zorba, topikrostrati, Zorba, kitrino kjeri, κλαίει η νύχτα κι η βροχή, πέφτει, αγιάζει στην ψυχή, νύχτα κι η βροχή. Ζόρωβα, κόμπο η καρδιά, Ζόρωβα, βέρα στα κλαδιά, χτύπα αμόνια και σφύρια, κλαίω για παρηγοριά, αχ για παρηγοριά. Mon grand-père avait toujours des gens qui étaient à la maison, parce que comme les élections dans ce temps-là étaient aussi dangereuses, et il y avait deux personnages extraordinaires que c'est par là que j'ai appris la vraie amitié. Il s'appelait Mimi Sakostas et c'était une sorte de protecteur de mon grand-père. Quand il sortait, quand nous allions avec la voiture, il y avait ces gens-là à côté de lui toujours. Et alors moi, il y avait une professeure qui me détestait d'une façon horrible parce que je n'étais rien. Et alors pendant des examens, elle savait la salope que je ne saurais rien. Elle me met seule. Et tout autour de moi, comme une petite île déserte, j'étais comme ça, solitaire. Je ne pouvais pas copier de personne. Ah oui, venez chez moi, il me dit, Marcouri, rien, vous ne savez rien. Moi, des larmes qui coulaient de désespoir devant. Tout d'un coup, je vois de la petite fenêtre de la classe,
je vois Mémé Acosta. Il portait toujours des petits pistolets. C'était permis. Dans ce temps-là. Alors, il y avait le professeur et on lui fait tac, 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 à la lettre. Elle le regarde et il commençait à jouer comme ça avec les petits pistolets. Et bien sûr, j'ai passé les examens. Elle avait une frousse atroce. Tu as été reçue? J'étais bien sûr reçue. On a pris même un orchestre, on a mis le diplôme, mais on a été très contents. Quand l'espoir nous prend dans ses embuscades, quand nous parlons de retour, mes amis divers, mes compagnons, mes amis heureux, dans quelle île, quelle ville, quelle prison, où avez-vous disparu? Il y avait une adoration pour les hommes, peut-être à cause de mon grand-père et à cause... parce qu'ils avaient le pouvoir, et un petit enfant aime celui qui a le pouvoir. En grandissant, je crois que je suis devenue une féministe enragée. L'homme est l'ennemi, l'homme est l'antagoniste. L'homme, il faut l'avoir. Et je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Je l'adore, l'homme, en général. Mais je ne me suis jamais sentie tout à fait libérée envers un homme. Excepté avec Julie, peut-être. Nico a vu des loups dans la campagne. Les oliviers sont verts de gris. En Grèce, on est heureux comme en Espagne. Mais le soleil revient après la pluie. Thank you.
me demandait si j'étais grecque, je disais oui, moi je suis professionnelle grecque. Mais aussi au théâtre, je suis devenue professionnelle. C'est-à-dire, je ne suis pas restée dans la maison, je n'ai pas dit j'ai fini l'école dramatique, non. J'ai commencé à jouer et j'ai joué de très beaux rôles. Mais personne ne veut de moi au cinéma. On trouve que j'ai une immense bouche, que je suis infotographiable parce que dans le temps, c'était la petite bouche, tu sais, la petite ingénue. Moi, je n'ai jamais été ingénue, même à 5 ans. Et voilà la rencontre avec Kakoyannis et Amphestella, qui est un grand succès, même à Cannes. Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. C'était mon premier rôle. Et nous allons à Cannes, et c'était extraordinaire, et c'est la rencontre avec Dassin. Je n'ai pas pris le prix, mais c'était une injustice. Et Dassin a pris le prix de la mise en scène. Alors il est venu me voir à la table, et moi j'étais d'une... Oh, j'étais horrible, et je pleurais aussi comme ça. Elle me dit, vous valez beaucoup plus qu'un prix. Et je dis, monsieur, vous l'avez le prix dans votre poche, alors ne parlez pas. Et ensuite, comme ça, il est venu à l'hôtel et il m'a proposé de venir parler avec lui pour la veuve de celui qui doit mourir. Et voilà. Le grand amour... Je chanterai... C'est un cas, ma relation avec cet homme. Ανοίξες σιγά την πόρτα. Ouvre doucement la porte. Ferme qu'elle ne fasse pas de bruit. Toute ma vie je pleure. Ανοίξε λίγο το παράθυρο.
Cristo. C'était tout à fait le contraire. Je voulais apprendre de Julie. Je voulais être comme lui, à peu près parfait, parfaite. Je ne pouvais pas, j'avais des mauvaises habitudes, enfin des mauvaises habitudes. J'adorais, moi, les nightclubs, j'adorais danser, j'adorais flirter, j'adorais faire la... Mais avec Julie, ça a été d'une simplicité, la vie, et une sorte de sacrifice, si vous voulez. C'est-à-dire sacrifice de mon caractère. Και τρία και τέσσερα παιδιά.
c'est l'histoire de deux femmes avec des choses de moi dedans. C'était un film heureux. C'était un film heureux. Et moi, je crois que c'est un film qui a mis la Grèce de nouveau dans la carte, que tout le monde a voulu venir en Grèce et qu'il y a comme un signe que rien ne touche. Après une insulte, la Grèce sort toujours comme un signe fier qui ne l'a pas touché. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas une putain. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή. Αμήνω οι τρεις μας το κάνουν. Φτάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα. Όπως πάντα. Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φωνάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική. Σαν συνθέτης και είσαι ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι, γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία, με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά και το. Δεν μου ανήκει και ούτε θέλω να έχω καμία σχέση. Το ότι είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πρακτικά. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ. Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ. Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω την σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα. Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά, αλλά έχει μια μάνα. Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε. La lune dans ce pays est très proche des hommes, spécialement des hommes jeunes. Quelquefois que la lune se lève pour faire la ronde de nuit, tout prend un visage réel, même la lune. Regardez ça. C'est une lune de papier. Quand il y aura un amour, cette lune deviendra réelle. C'est l'idée de la chanson qui chantait pour la première fois Mélina Mercouri en 1948 dans le rôle de Blanche Dubois de la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, sur la scène de théâtre d'art. Χρυσά
ψεύτικη η απρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο πικρός. Αρτινό το φεγγαράκι, ψεύτικη απρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύθινα. Θα ήταν μια ευτυχία αν δίναμε αυτές τις βακόμες από τη ζωή και φτιάχναμε κάτι μαζί. Δεν εξαρτάται. Παίξε να σε συνοδεύσω. Όχι, παίξε να σε συνοδεύσω. Μαζί να δουλέψουμε για κάτι κοινό, για κάτι που μας αρέσει. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε και το ίδιο γούστο. Γελάμε με τα ίδια αστεία. Κλαίμε. Κύριε Αντώνης en grec veut dire Monsieur Αντώνης. Dans le vieux quartier d'Athènes où il habite, les gens le considèrent un peu comme un fou. Mais les enfants l'adorent, parce qu'ils ont le même secret, le secret des rêves. Pour qu'il en donne, la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, qu'il en donne, un magicien, il a des pouvoirs, il peut même être heureux. Κύριε Αντώνης, πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Κύριε Αντώνης vivait dans son petit quartier. Με ένα κανάτι, με ένα κρεβάτι. Il était pauvre. Και με κρασί πολύ. Mais il avait un peu de vin. Είχε δυο μάτια γαλανά. Il avait des yeux bleus. Και αχτενιστά μαλλιά. Et des cheveux décoiffés. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε. Mais il avait une στα ρούχα τα παλιά. Toujours à sa boutonnière. Αχ, κύριε Αντώνη. Αχ, κύριε Αντώνη. Πώς αγαπάμε. Comment t'aime. Και μαζί σου τα στραμετάμε. Et on compte les étoiles avec toi. Τις βοτιές για σένα πηδάμε. On allume des feux. Ώσπου να έρθει η βροχή. Jusqu'à l'aube. Και τον καημό σου πάντα ξεχνάμε. Et on oublie ta douleur. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. On vole avec toi comme des oiseaux. Σαν παιδιά μαζί σου γελάμε. On rit avec toi comme σαν des enfants. Σαν κάμεις προσευχή. Quand tu fais ta prière. Κύριε Αντώνης βιάζεται να πάει νεκή. Κύριε Αντώνης hâte d'aller dormir. Γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί. Il faut se rappeler. Ότι ποτέ δεν έζησε. Tout ce qu'il n'a pas vécu. Μες στο όνειρο του ζει. Dans son rêve il vit. Μα η νύχτα φεύγει. Mais la nuit part. Και λυπημένο. Et triste. Τον βρίσκει χαραβή. L'aube le trouve. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα στραμετάμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε. Ώσπου να έρθει η βροχή. Ετών καημό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά.
la vrazio le soir qu'il annonce stronina qui se met au lit chemis xipnam nous on se réveille on l'attend c'est important à venir mais qu'il annonce vers sa vie sortira plus jamais fouilla panda l'estonio dans son rêve Felice Pia il a voulu Merci. Vivre pour l'éternité. Mon père est mort en juillet. Les colonels sont venus avril, c'est 21 avril. Et c'était deux coups l'un sur l'autre. Il y a la dictature dans mon pays. Je crois qu'il faut se battre pour ça, même quoi qu'il arrive. Et c'est commencé comme une boule de neige. Toutes les télévisions, toutes les radios sont tombées sur moi. Et chaque nuit, après que la représentation finissait, je venais avec le rideau baissé et je disais, écoutez, il y avait tous les acteurs qui étaient autour de moi et je disais, monsieur, ce film, cette pièce que vous avez vue, c'est pas la Grèce d'aujourd'hui. La Grèce est sous la tyrannie. Qui disait je vous récolterai les fruits, le qui disait je vous aimerai aussi, le qui portait pour faire le procès de ses juges à sa boutonnière neuille rouge. De la politique dans une chanson. Écoutez, on se bat avec les moyens qu'on a. Si on me donnait des armes, je veux me battre avec des armes. On n'en a pas et les Américains le donnent seulement aux colonels. Et on fait des affaires avec, comme tous les pays du monde. Je me bats avec ce que j'ai. J'ai une voix, j'ai un certain talent. Je peux gagner de l'argent pour certaines raisons. Et je pense que le peuple grec ne se sent pas tout à fait oublié
par nous qui vivons à l'étranger et qu'une dictature qui existe dans un pays, ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est une maladie qui peut, qui peut s'éteindre dans plusieurs autres pays. Si vous voulez, assez forte, parce que tout le monde m'invitait à la télévision. J'étais très sympathique. Et quand je suis partie pour faire une tournée dans toute l'Europe, l'Europe unie, comme on dit aujourd'hui, c'était pour ramasser de l'argent pour la résistance. Parce que personne n'avait de l'argent. Alors, j'allais, je trouvais les Grecs, je commençais et je chantais. Voilà pourquoi j'ai commencé à chanter. Oh, 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 oh
surtout en Grèce, je disais oui, mais comment ils osent dire que je ne suis pas grec? Alors ça, c'est devenu une chanson. C'est après, quand je suis revenu à Paris, c'est les Suisses qui m'ont donné un permis de voyage, très gentiment. Les Américains voulaient que je devienne, j'avais tous les droits de devenir américaine, parce que j'étais mariée avec un Américain. Mais je n'ai pas voulu. J'ai cru que je vais perdre toute ma force si je devenais américaine. Et c'était une approbation pour la politique américaine. Alors, je n'ai pas pris le passeport. Excusez-moi si je ne peux sourire. Excusez-moi, me faudrait-il vous dire que tout là-bas des oiseaux meurent, que tout là-bas des âmes en pleurent. Excusez-moi, mais comment deviner que malgré ça vous semblez ignorer que tout là-bas les nuits s'égrènent sans un regard, sans un je t'aime. Et moi j'ai mal quand je pense à tout ça. Et moi j'ai mal quand je pense à tout ça. Excusez-moi si je ne peux sourire. Excusez-moi, j'ai le cœur qui chavire quand il s'agit de mes tendresses. Dès qu'il s'agit de ma jeunesse, excusez-moi, mais ça vive des espoirs. À chaque fois, je finis par savoir que pour un train qui vous emmène mille chagrins, je pense à tout ça. Et moi j'ai mal quand je pense à tout ça. Excusez-moi, mais le monde est ainsi que je crois plus à ce que l'on me dit. Quand les matins vous et les regrets vous guillotinent. Excusez-moi, le temps est trop précieux. Et nos 20 ans, jamais assez nombreux pour qu'on revive une autre histoire et se refaire une mémoire. Et moi j'ai mal quand je pense à tout ça. Et moi j'ai mal quand je pense à tout ça. À Paris, ce qui m'a sauvé, c'était la chanson. Parce que j'ai pu chanter. J'ai eu des gens qui ont collaboré avec moi d'une façon très, très honnête. Et ils m'ont aidé beaucoup. Et il y a un moment où je suis entrée en Grèce, en 1972, qui était la plus grande douleur pour moi. C'est quand ma maman est morte.
Elle est morte comme ça, de maman à l'autre. Et je l'ai vue, on ne m'a pas laissé dans ma, entrer dans ma maison. Et je l'ai vue morte. C'était atroce parce qu'on ne m'a pas laissé même rester plus que 6 heures. À 3 heures du matin, je suis partie avec un avion japonais. Que j'avais vécu quand j'étais enfant aussi. Et maintenant, je crois que ça commence à devenir la troisième fois que la Grèce est dans un moment très difficile où on voit que nos amis nous lâchent avec l'histoire de Macédonie, avec Skopje. Ma ville, c'est bon ne plus te voir en rêve. Ma ville, regarde, le soleil se lève. Je te salue, toi mon ami, ma sœur. Sur Salonique. Salonique, qu'en ce moment, toute la Grèce
à son regard sur elle. Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει Σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Alors quand je suis rentrée en Grèce, je crois que j'avais le poison de la politique. Moi, j'étais quelqu'un qui était résistante, mais quand même, quand on m'a offert de devenir députée, je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas laisser toutes ces choses. C'était trop tard, parce que je m'occupais de la politique pendant 7 ans et demi, et en étant enfant aussi, je savais l'odeur. Et Papa Néo, mon chef, Pasok, m'a proposé de descendre, on dit nous, à la deuxième périphérie de Pirée, qui était la plus difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était la deuxième périphérie. Pourquoi ? Alors il m'a dit avec un désarmant sourire, parce que tu as chanté les enfants de Pirée et tu as rendu Pirée connu dans le monde entier. Alors, moi, je prends mes petits bagages et je dis, ici, on va le jouer, comme je suis d'ailleurs profondément, on va le jouer fort. Et ils m'ont voté et je suis devenue députée. Et quand en 1981, j'ai pris le gouvernement, Papandréou a voulu que je sois ministre de la Culture. Moi, je suis restée 8 ans. Et c'était une vie que j'adorais. Je faisais des films pour les autres. Je tâchais de donner de l'argent beaucoup au théâtre, au petit théâtre. J'ai fait des jolies choses, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais vous êtes toujours députée, donc vous vous battez toujours. Je suis députée, bien sûr que je me bats toujours, mais comme vous savez, et il ne faut pas le cacher, j'étais très malade. Il y a 4 ans, on a vu que j'avais le cancer. Alors je suis allée en Amérique, on m'a fait opérer, très douloureux, mais j'ai commencé à parler avec ce petit cancer comme s'il était une grippe. Et j'ai eu mal et j'ai encore mal. Mais ça va, il faut le combattre gaiement. Et il faut le combattre avec le néo. Ça. Mes sourds
je te dirai les mots les plus beaux, des mots d'amour que je connais et que jamais je n'oublierai. Des mots qui t'emmèneront comme un bateau jusqu'à la terre qui les a inventés. Écoute, je t'appellerai par les noms les plus tendres et ces noms, je les connais. C'est une chanson que tous les amoureux du monde